Bonjour, bonjour. Je vais enseigner sur la foi ce matin. Donc, je vais lancer le direct ici. J'ai beaucoup de personnes voilà. Bonjour, bonjour. Alors, comment vous allez? Donc, quel que soit le réseau sur lequel vous me regardez, je vous souhaite la bienvenue. Bonjour Madi, bonjour Marthe, bonjour les rois et les reines. Pourquoi est-ce que je vais enseigner sur la foi? Beaucoup d'entre nous nous préférons aller souffrir pour travailler et nous ne savons pas que en arrangeant les choses dans notre tête et ce qu'on voit à l'intérieur, on ferait 90% du travail. La foi, c'est la clé. La foi, c'est la base. Beaucoup d'entre nous, on ne sait même pas ce que c'est que la foi. Bonjour YouTube, bonjour. J'ai déjà stabilisé mon réseau, j'ai stabilisé mes téléphones. Là, j'ai trois téléphones en direct en même temps. Donc, je crois que tous les matins, je serai un peu plus stable en direct. Parce que parfois, je laissais un peu TikTok. Je ne faisais que les directs Facebook tous les matins. Donc, je pourrais avoir Facebook, YouTube et TikTok simultanément. Écoutez, hein. Peut-être cet enseignement va durer peut-être une semaine ou deux, selon la direction divine. Mais je voudrais que, au sorti de ce que vous allez faire avec moi ici, que votre vision soit claire, votre voix et votre déclaration soient claires, que votre futur soit pour vous une évidence. Bonjour Prudy, bonjour sur YouTube, bonjour Pierre, Élise, Élise, oui, bonjour Jeanne, bonjour Bozoula. Voilà. Bonjour et merci pour les cœurs. Si vous venez de vous connecter, donnez-moi juste des cœurs. Ça va faire que la vidéo remonte. OK. Quand quelqu'un n'a pas la foi dans sa vie, qu'est-ce qui se passe? Je veux que vous vous reconnaissiez dans ce que je vais dire. Premièrement, tu as toujours peur. Tu vis avec, donc tu as toujours peur. Tu es peut-être marié, ton mari te dit qu'il t'aime. De l'extérieur, les gens se disent, waouh. Bonjour la reine Jeanne. Mais toi, quand tu restes comme ça, il y a quelque chose dans ton cœur qui fait comme ça là. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour avoir le mari ici. Et c'est celui qui va me tromper. Le boulot, si ils m'ont donné le boulot. Et mince.
Je suis sûr que le boulot, il va pas durer longtemps. Ah, voilà, je savais qu'ils allaient me renvoyer. Je savais. Je savais, moi j'avais à dire depuis. J'ai toujours su. Bonjour, bonjour, bonjour la reine Suzanne, bonjour la reine Jeanne, bonjour la reine Rose d'Ébène, bonjour Créole. Je vais très bien. Merci pour vos cœurs. Vous êtes tellement gentils, merci. Cherchez le cahier pour noter, oh, parce que je vais commencer à vous prendre les séries d'enseignement. Je faisais ça il y a cela 2 ans. Et je vais prendre les séries d'enseignement. C'est-à-dire, je prends un sujet, je développe vraiment avec vous. Et à la fin, vous savez que ça, c'est résolu. Il y a les finances, il y a le mariage, il y a l'accouchement. Tous les aspects de votre vie qui sont vides actuellement, c'est parce que votre foi là-dedans est comme ça. Parce que votre foi est petite. Je vais vous donner un cas de figure. Tu arrives à la banque et le jour là, c'est le dernier jour pour payer tes frais d'entrée peut-être à un concours ou bien pour payer tes frais de visa. La banque ferme à 17h00. Mais les transactions bancaires continuent jusqu'à minuit. Tu t'es levé le matin là, tu sais que le visa c'est un besoin cette année. Tu arrives à la porte de la banque. 16h58. On te dit bonjour la reine Sophie. On te dit désolé, on ne reçoit plus. Tu dis non. On ferme la porte devant toi, hein. Seigneur, tu m'as dit que j'allais avoir le visa cette année. Tu m'as dit que ça, c'est mon année. Une autre personne qui n'a pas la foi va se trouver là-bas, voir la porte. Même à distance, elle va regarder. Je savais. Je savais qu'ils allaient fermer, je savais. Ils se tournent directement et rentrent. Toi, tu arrives, tu vois. Tu dis jamais, je ne peux pas accepter. Bonjour Inès, bonjour Darlene. Madame, nous sommes désolés, on a fermé, voilà, allez-y. Tu dis jamais, monsieur. Il ferme. Il va faire ce qu'il a fait à l'intérieur. Tu restes devant la porte, tu dis jamais. Tu commences à parler même en langue devant la porte. Seigneur, trouve un moyen pour que je paye. Seigneur! Un client sort, tu es devant la porte. Vous connaissez au Cameroun, non? Quand il ferme la banque, il ferme ceux qui sont à l'intérieur et ceux-là sortent même après 30 minutes. Donc, il ferme officiellement la porte à 17h, mais vous n'êtes pas à l'intérieur et les transactions parfois continuent même jusqu'à 18h30 avant qu'ils ne partent. Tu restes devant la porte, tu t'assois. Le vigile sort, il te dit que pas, mamie, c'est déjà fermé. Je te dis que tu ne peux pas entrer aujourd'hui. Voilà alors, le directeur de la banque a une urgence, il est en train de sortir rapidement. Et d'habitude, il sort par la porte de derrière. Le jour là, il dit, je passe devant. Le voilà qui sort, il te trouve assise devant. Et comme tu es tellement belle comme moi, c'est là non, tu vois comment tu es... Et non, tu vois, tu brilles là non. Qu'est-ce que la jolie enfant s'y fait ici? Pas qu'il va te draguer, il te voit comme une enfant. Je ne vais pas mettre le côté sexuel là-dedans. Il dit, waouh, ma fille, tu fais quoi devant la porte ici? Ah, j'ai besoin de payer pour mes frais de visa. Voilà, je suis arrivée vraiment à 17h, 16h59. Vraiment. Il dit, non, viens, 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 ma fille, viens. Monsieur le vigile, amène-la à mon bureau là-bas devant mon assistant. Tu demandes qu'on résolve sa situation. Il en a sa voiture pas. Tu sais ce qui a fait que. Tu sais ce qui vient de se passer. Ta foi a bougé ta situation. Écoutez, hein, toutes les promesses. Oh, on m'a promis, Dieu va me donner. Wow, ça fait 15 ans que tu attends, non? Le prophète a prophétisé, mais le diable n'a fait que. Le diable n'a fait que. Ta foi était petite.
Je vous introduis à cette série d'enseignements que je vais vous donner sur la foi. Je vais vous montrer comment transformer votre vie vous-même. Vos affaires, quand vous allez, j'attends que... La force qui est en moi, c'est la force qui est en vous. C'est la force qui est en Jésus-Christ. Et en partant, il a dit, je vous laisse. Matthieu 28. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Allons-y, je vais vous prendre beaucoup de passages. Ceux qui voudront noter, ce sera bien. Partagez ma vidéo, s'il vous plaît. Bonjour Marie, la reine Marie, Emma. Bonjour la reine Marie, Ève. Bonjour la reine Ezika. Voilà, Christelle dit qu'elle a eu ce cas à l'ambassade du Cameroun en Belgique. Voilà. La Bible dit, Matthieu chapitre 28. Notez les passages, ça va beaucoup vous aider. Verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir. Écrivez tout pouvoir, s'il vous plaît. Écrivez tout. Je vais vous dire ce que tout comporte. Pouvoir. Oui, Marie-Laure. Tout pouvoir, c'est ça, Suzanne Lermite. Marietta, c'est ça. Tout pouvoir. Celui qui signe ton visa, écrivez tout pouvoir. Celui qui te donne le boulot, écrivez tout pouvoir. Celui qui vient t'épouser, écrivez tout pouvoir. Le nombre de followers sur ta page, tout pouvoir. Les clients qui viennent acheter ta marchandise, tout pouvoir. Le fait qu'on décide d'acheter ta marchandise au lieu de partir chez une autre personne, tout pouvoir. La maladie qu'il y a dans ton corps là, tout pouvoir. Citez votre situation. Peut-être qu'elle parle seulement ce petit. La femme qui a détourné ton mari dehors là, son pouvoir est petit. Tout pouvoir. Je veux qu'on contemple ce que tout pouvoir veut dire. Tu as les dettes à la banque, non? La banque te stresse déjà, non? Merci pour les partages. Eli Kia, je pense. Madame, nous sommes désolés. Voilà. La casse qui dit qu'on va reprendre, que tu nous dois maintenant 4000 euros, on t'avait trop payé. Tout pouvoir. Écrivez votre situation. Mariage. Oh, les gens de notre famille ne se marient pas.
tout pouvoir. Tu as vu qui dans notre famille qui a la voiture? Tout pouvoir. Vous serez la première personne dans votre famille à avoir la voiture. Et même la voiture neuve, compteur zéro. Le passeport Bordeaux, depuis que tu as déposé ton tout là, tu attends. Tu seras la première personne dans ta famille à avoir ton passeport Bordeaux. Tout pouvoir. Écrivez tout pouvoir. Quelle est la situation qui vous tracasse là? Ne faites pas comme si vous n'avez pas de problème. Hein. Parce que quand vous m'écrivez dans vous faites mon inbox, vous faites des larmes. Il y a des problèmes. Depuis que tu t'es marié, ton mari et toi, son argent est bloqué. Il a dit qu'il va aller te doter. Voilà, ses finances sont finies. Tout pouvoir. Voilà, c'est ça, non? Voilà, Marie, si bloqué par toi. Tu ne connais même pas ce qui te bloque. Voilà. Permis de conduire. Tu as fait le permis 4 fois. Tout pouvoir. Le visa. Un homme vient et dit qu'il va, je vais te prendre pour t'amener en Europe. Dès que vous commencez comme ça, là, après un moment, il te bloque, même il ne veut même plus entendre parler de toi. Tu wanda, tu écris partout, il te bloque. Alors que la veille, vous parlez bien. Tout pouvoir. Je ne veux pas savoir tes problèmes, ma tango, Aurélie. Écris seulement que mes finances, je te dis tout pouvoir. Le visa, tout. Écoute bien. Jésus a le pouvoir sur la personne qui va signer ton passeport pour te donner le visa. Tu as déposé la voilà, demande pour avoir la place de la crèche de l'enfant. Voilà la rentrée qui arrive, tu ne connais pas. Et si l'enfant n'est pas par la crèche, tu ne vas pas fréquenter. Tu ne vas plus travailler. La place là, Jésus a le pouvoir sur ça. Tu déposes ton dossier. Depuis... La fille m'est arrivée en Angleterre. Hein? Est-ce que vous savez que j'ai fait 6 ans en Angleterre? C'est le pouvoir de Jésus qui m'a donné mes papiers. Tu arrives, tu es censé avoir les papiers. On dit, mais attends un peu, tu as tout, non? Que je connais quelqu'un dans ta situation qui a déjà les papiers. On a même changé la loi. Voilà le diplôme. Tu as déjà fait le diplôme d'infirmière même 7 fois. Quand j'envoyais mes applications, on appelle ça application, c'est quoi là? Quand ils faisaient mes applications, you know, when I was sending my application, ma part faisait toujours 1 an chez eux. Avant qu'ils osent me dire, madame, on ne peut pas vous donner le parce que. Et je dormais. J'envoie, ça fait 1 an et demi. Après, moi, je vous écrive, madame, il manque tel papier dans votre dossier. J'ai dit, mais pourquoi la deuxième semaine, vous m'avez écrit, vous me dites. Tu demandes l'asile, on te laisse. Oh, madame, attendez. Tu as attendu jusqu'à ta paille, tu ne sais même plus. Après avoir attendu 6 ans, un jour, je reste et je comprends que la fesse, là, ce n'est pas mon avocat qui est payé, là. Je pense que c'est pas l'homme qui va faire que j'ai mes papiers. Ah, ah, ah. Aïe, aïe, aïe. Il m'écrit encore une énième lettre. Madame, nous avons besoin de tel test. Nous avons besoin de telle chose. Nous avons besoin de ça. Et la semaine-là, j'avais entendu un gars à l'église. Il avait fait le témoignage. Quand on lui avait demandé des documents supplémentaires, il a écrit aux gens-là. Il a dit que. Je n'ai plus rien à vous donner. Vous allez juger mon dossier comme ça là. Je suis restée comme ça. J'ai dit mince. Je me bats dans la fesse seule. Je me suis assise. J'ai fait la lettre à la main. J'ai pas fait à la main. Dear sir, madame, I am writing
first of all to thank you for replying to my application. I see that you're here asking for further documentation that I cannot provide at the moment. I'm sorry, but you will have to deal with my application with the documents that I've provided. Accept my regards. J'ai pris le tissu qui était béni. J'ai prié sur ça que j'envoie mes anges avec la lettre ici. Deux semaines plus tard, j'avais mon titre de séjour. Après avoir fait 6 ans sans avoir de... 6 ans en Angleterre sans papier. 2 semaines plus tard. Et le jour où on imprimait mon papier. J'étais à l'église comme ça. Il y avait un enseignement sur la foi. J'écoute. Le Seigneur me dit qu'on est en train de faire tes papiers aujourd'hui. Que nom de la date, si. Je te dis. Il me dit donc, tu fais quel accord avec moi? Comme je suis en train de donner tes papiers après 6 ans là. Que tu te fais quel, tu passes quel accord avec moi? Seigneur, si tu me donnes les papiers comme tu as été me donner là, je vais servir ici, je vais faire du bénévolat dans l'église ici pendant 6 mois. Je rentre, c'était mercredi qu'ils ont imprimé. Vendredi, je rentre de la formation spirituelle. Je vois le poste, quand en Angleterre, quand on te rate à la maison, là, le poste office, il te laisse un papier. Je vois le papier là que madame, vous n'étiez pas à la maison, mais ils ne disent pas qui t'a écrit. Ils ont encore venu à la poste pour chercher. C'est-à-dire que je vois le papier là, le Saint-Esprit me dit, voilà ton titre de séjour. Le lendemain, samedi, je vais à la poste. Je prends. J'ai ouvert ça devant la personne qui m'a donné ça. Je suis resté comme ça là. Le Seigneur m'a dit, voilà comment la foi fonctionne. J'aurais pu rester attendre encore mes papiers là-bas, même 5 ans. Tes choses vont bouger quand tu vas te lever. Tu dis que ta vie en chantier ne te dérange pas. Le chantier, c'est pas... Toute maison a eu un chantier un jour. Va me voir le Burj Khalifa. Ils étaient en chantier un jour. Maintenant, c'est à toi de pousser le chantier. Voilà ce qui vous bloque souvent. Et n'ayez pas peur de refaire le plan jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que tu rentres comme ça, tu dis que ma chambre est comme je voulais. This is what I wanted. Je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur de refaire le plan de ma maison. C'est moi qui vais habiter dedans, non? Est-ce qu'on sera ensemble? C'est mon argent qui dépense, non? Si elle dit que casser le mur, si c'était ton argent. Peut-être que tu m'écoutes le début pour toi. Écoutez-moi bien. Je ne sais pas quel âge vous avez. Vous pouvez tout refaire dans votre vie. Tu décides du pays où tu veux partir. Tu décides même de la personne avec qui tu veux te marier, le genre de personne. À l'époque, tout, tu acceptais tout. Tu te mets avec même l'argent pour te doter. Tu attends 6 ans pour qu'il trouve l'argent pour te doter. Oh! Hop! Oh oh! Oh oh! Mm-mm. La lie. Si c'est que tu vois que demain tu auras un appartement dans le Burj Khalifa, mets sur ton papier aujourd'hui, tu mets la date d'aujourd'hui. Tu dis que tu vas avoir l'appartement à Tokyo, dans l'aide de... Écoutez, hein, ce qui vous bloque, c'est que vous ne connaissez pas comment la foi fonctionne. Christelle Tima, c'est la reine Jocelyne, tu as compris? On ne m'a pas, ça fait longtemps qu'on m'a pu appeler Jocelyne. Tu as compris la reine Christelle. J'appelle tout le monde reine et roi. Et vous m'appelez aussi reine. Voilà. Tu as compris la reine Christelle. Quand on va t'appeler reine comme ça, là, ça va commencer à te... Tu vas te sentir. Tu vas te restaurer. Ton image va être restaurée, la reine Christelle. Tu as compris. Appelle... Oh, c'est appeleuseur. Je ne t'ai pas demandé de venir ici. Oh, 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 oh. Yeah, tu t'es trompé d'endroit seulement, papa. C'est comme si tu entres dans ma maison, je suis en train de faire ma réunion, je parle à mes gens. Tu me dis que je parle fort. C'est comment? Pardon si ça dérange tes oreilles. Pardon, je t'en prie. Déconnecte-toi. Je t'en prie. Tu as compris? Voilà. Ce qui me plaît sur TikTok, c'est que tu penses là. C'est passé. Dès que tu penses là, c'est fini. La personne est partie. Tu as compris? Voilà.
Ok. Il s'agit de vie ou de mort, mon frère. Il y a les gens qui m'écoutent, qui sont fatigués de leur situation. Tu as espéré. Tel homme a dit qu'il va t'aider. Tonton va t'aider. Tata, ta mère m'est partie en Europe. Tu as compris que ce n'est pas ma mère qui va m'aider. Non. It's not my mother that's going to help me, man. I better move myself. I better move myself. Otherwise, I'm going to die here. Ha! J'espère que vous avez de quoi noter. Je vous ai dit que je vais vous faire des enseignements sur entre 7 et 14 jours en fonction de comment le Seigneur va pousser. Bonjour la reine Claudette. Mais au sorti de cet enseignement, je veux que vous sachiez que tout est possible. Il y a même un jardin, donc, pour les femmes qui veulent se marier là. Vous voulez tellement le mariage que vous êtes prêt à accepter n'importe quoi. Et quand tu entends quelqu'un te dire que j'ai reçu un homme qui a ça, tout ce que j'avais demandé, c'est dans l'homme-là. Tu dis, ah, tu ne veux même pas croire. Ça m'est arrivé. Parce que j'étais fatiguée. Seigneur, je prends tout ce que je veux. C'est un peu comme si tu vois que, ok, je passe peut-être une heure de temps à la cuisine, je fais quelque chose qui est bon. Ou bien je ne vais pas prendre le takeaway faire rapidement là, un truc là en route, le kebab là. Tu te mets devant lui en 5 minutes, il te donne, il y a la mayonnaise partout, Ou bien tu t'assois, tu prépares ton bon repas. Bonjour si vous venez d'arriver et bienvenue. Bienvenue, je suis en train de vous enseigner sur la foi, ça c'est l'école de la foi. La foi, c'est la route que tu prends quand tu veux un repas qui est bien fait, quand tu veux du caviar. Quand tu veux des sushis, moi je dis ce que j'aime, les sushis, j'aime le caviar, ok? Certaines personnes disent, oh, c'est pas bon du tout. La spiritualité, c'est une science exacte. Parfois, je vous dis ça. Quand ils disent ça dans mes vidéos, on dit, ah, écoutez, vous allez arriver à un niveau où, vous allez savoir que peu importe le problème que j'ai devant moi, cette montagne, Jésus a dit, Marc chapitre 11, notez-moi ça s'il vous plaît. Voilà les passages que vous allez utiliser quand vous allez faire vos prières. Marc chapitre 11. Bonjour et bienvenue si vous venez d'arriver. Asseyez-vous, prenez un smoothie derrière, ou bien vous prenez des arachides, vous mangez, ou bien vous, en tout cas, sentez-vous à l'aise. Marc chapitre 11, c'est ce que je vais lire avant de revenir sur Matthieu. Dans Marc 11, ce qui se passe, c'est quoi? Jésus marche avec ses disciples. Ils arrivent quelque part. Jésus regarde un arbre. Il dit, je ne veux même pas daigner te répondre. Jésus arrive, il dit, il maudit un arbre. En fait, Jésus avait une confiance. Jésus est donc, il faut l'argent pour les impôts. Jésus se lève le matin, il dit, Pierre, oui, va là-bas, va sur Seme Beach. Tu pêches de ce côté-là. Il y aura une pièce d'or dans le poisson là. Oui, il va payer les taxes avec. Comme ça, donc, on va nous laisser tranquille. Ça, c'est la confiance et l'aisance que Jésus avait. Lisons ce qui se passe dans Marc 11. On va commencer au verset 13. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles,
Il alla voir s'il y trouvait quelque chose, s'il y trouverait quelque chose. Marc 11, verset 13. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles. Vous êtes censé avoir des fruits. Vous êtes là, vous connaissez la Bible, hein? Vous avez les feuilles, mais il n'y a pas les fruits. Ne vous lamentez pas, ne vous accusez pas. Non, écoutez. Prenons alors la parole. Parce que la Bible dit que quand ce n'était pas la saison des figues, je viens vous dire que vous êtes censé porter des fruits dans toute saison. Écoutez-moi bien. Oh, tu sais, moi je fais dans la librairie. Notre temps, c'est seulement vers septembre. Entre juillet et octobre, c'est là que nous vendons. Après, on ne vend plus. Je vends dans les produits de Noël. Nous, on vend seulement au mois de... Écoutez, les enseignements, si vous écoutez ça, vous laissez ça tomber dans votre esprit. On arrive chez toi dans n'importe quel jour, l'argent est entré. Ton frigo, c'est donc chaque jour, il y a quelque chose qui entre dans ta maison. Chaque jour. Bonjour, bonjour, merci pour les likes. Likez ma vidéo, s'il vous plaît. YouTube, mettez-moi les likes. Je sais que j'ai beaucoup de haters. Je ne sais pas pourquoi vous me détestez. Ça ne va pas enlever ma beauté. Tu vois, quand tu détestes quelqu'un, mais la personne est toujours contente, là, tu vois, non? Ouais, c'est comme ça que je suis. Ok. Let's carry on. On continue. Merci pour les likes YouTube, merci Facebook. Partagez la vidéo aussi, s'il vous plaît. Prenant la parole, il dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et vos fruits, hein, ce n'est pas seulement pour vous. Tu dois faire ta vie doit être le genre que quelqu'un te voit dans 3 mois. Il dit, hé, maman, mais kago ou kaswal. Mais attendez, pas aussi bosser. Hé! J'ai quelqu'un qui m'a recontacté récemment. Ça fait 1 an et 3 mois qu'on ne s'est pas parlé. C'est quelqu'un qu'à l'époque, si la personne m'avait parlé, je me suis dit, waouh! À l'époque, j'étais dans une phase de ma vie où je n'arrivais même pas à sortir 50 000 comme ça. Je vous fais souvent mon témoignage. Bonjour mon fan club. Je ne sais pas qui a mis son nom. Fan club de Gidiga Academy. Bonjour les faux profils de Facebook. Merci, je vous ai dit de créer les faux profils. Comme ça, quand vous me suivez, les gens ne vont pas savoir que c'est vous. Oui. Et là, la personne me parle. Je regarde, je dis, that girl is gone. That girl is gone. That's not me. La fille est partie. Non. Je faisais parfois 1 mois. En 1 mois, j'ai peut-être 200 000. Le loyer, 90 000. La nourriture, 60 000 au moins. Non. La fille est partie. Cash, j'ai dit. That girl is gone. You won't find her anymore. She's gone. Le produit que vous voyez, c'est là. This girl. J'ai travaillé sur ça et je suis en train de travailler. Vous devez arriver à un niveau. Hein? Parce qu'avant, vous vous mettiez avec les gens parce que, ouais, comme je suis avec lui là. Ça, comme c'est un bosseur, comme c'est une bosseuse, ça m'a donné un peu de... Je suis sûr qu'avec elle, j'aurai l'argent. Tama Malise. Écoute, je n'étais pas attachée ici. Tu as compris? Écoutez, peut-être que vous voyez que c'est vos petits gens de TikTok que vous parlez là. Je n'étais pas attachée ici. Tu as compris? Tu as compris? C'est la pauvreté qui te dérange. Quand je vous vois aigri sur mes vidéos, c'est la pauvreté qui vous dérange. On met les enseignements, vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas. Écoutez, vous allez devenir riche. Continuons. Jésus prend la parole. La parole, c'est comme un instrument que tu prends. Tu l'utilises, c'est une épée. Il prend la parole, il sait qu'avec la parole, il peut couper, il peut finir l'arbre là. Il y a les situations dans votre vie que vous n'avez pas encore pris la parole sur ça. Vous êtes encore calme. Vous êtes encore calme. On t'opprime, on te pique.
On te pique. Là, tu as bien décrit. Hein? Je vais prendre ton mari. Tu es là, tu dis, oh Seigneur. Seigneur. Ton mari fait 5 jours. Il ne passe pas à la maison. Hé, hé. Tu n'as pas encore pris la parole sur ta situation. Écrivez, je prends la parole. Écrivez, je prends la parole. La Bible, Jésus a remarqué une situation. Il a constaté quelque chose. Il n'est pas resté comme ça. Là. Il a dit, oh my God. Il a pris son épée, qui est la parole. Il a coupé là-bas avec. Coupé, coupé. Regardez comment Jésus a coupé. Vous avez les ivraies dans votre vie. Vous avez les choses qu'on est venu planter. Même la peur, c'est quelque chose qu'on plante en vous. La Bible dit, Jésus, prenant la parole, il dit, Marc 11, verset 14, que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Il y a des choses que vous devez dire que les gens entendent. Écoutez-moi bien. Vous êtes trop calme sur votre vie. On te fait, tu es là comme ça, tu regardes. Tes enfants deviennent têtus bizarres, dans tous les sens. Ta fille commence à voir les gars au quartier, tu es là, tu regardes. Tu n'as pas encore pris la parole, ma chérie. Tu n'as pas encore pris la parole. La foi ne peut pas fonctionner sans la parole. La foi ne peut pas fonctionner sans la parole. Écoutez, vous dites que vous ne savez pas comment prier pour votre vie. Je suis en train de vous enseigner. Asseyez-vous, vous écoutez. La Bible dit que Jésus enseignait. Et quand il enseignait, les gens étaient guéris. Ça veut dire que les mauvaises pensées, les choses qu'on avait plantées dans les têtes des gens là depuis des années, qui les bloquaient, ça sautait. La personne dit, ah, donc moi aussi je peux devenir riche. Donc, mais moi qui pensais depuis que la plus grande arme que l'ennemi va utiliser contre vous, c'est là-dedans. Bonjour la reine Isabelle. Et ses disciples l'entendirent. Vous là, vous avez peur que vos Decepticons, que vos ennemis entendent comment vous déclarez les choses. Il y a un degré où, hein, quand tu commences à voir l'argent, ça se voit. Ne cherchez plus à vous cacher, je vous en prie. Il y a un degré où on voit, on dit que, hé, je suis dans l'argent. Hé. Habituez-vous. Parce que ça, c'est aussi l'une des peurs qu'ils mettent en vous. Pour vivre heureux, vivons cachés. Oh. Ah. Pour vivre heureux, vivons cachés. Oh. Te voilà comme ça. Tu manques de ton argent. Et qui est Naweti? C'est comment? Même d'abord la fraîcheur qui va émaner de ton corps. On dit que mince. La fille s'est devenue belle que comment, non? On voit, tu mets attendez, je vais vous montrer. Tu fais ça. Quelqu'un te regarde, il dit, maman, tu es comme la Vierge Marie. Maman, tu brilles. Que regarde ta peau. Aïe. Et tu es en Afrique. Jesus. Écoutez. Ils vont entendre. Ils checkent vos statuts, non? Vos ennemis checkent vos statuts, non? Attendez. Et ses disciples l'entendirent. Donc, on va sauter la partie où j'avance. Bon, le verset 18, je veux que vous voyez que Jésus avait les ennemis. Hein, donc, habituez-vous à vos ennemis. OK?
Verset 18, par exemple. Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchaient les moyens de le faire périr. Je suis sûr qu'ils sont partis chez les marabouts. Ils ont donné le nom de Jésus. Ils ont pris la photo de Jésus sur TikTok. Écoutez, moi j'ai une façon assez funny d'enseigner. Donc, si vous venez de tomber sur ma vidéo, je crois que vous allez vous dire, mais la fille, si. Oui, ils sont allés sur le TikTok de Jésus. Ils ont pris sa photo là, ils faisaient comme ça là. Ils sont allés donner chez le marabout. Que vous devez. Vous croyez qu'il n'y avait pas les marabouts à l'époque là? Hein? Peut-être vous pensez que pour vous là c'est spécial. Que vous êtes la première personne qui est détestée. Car il craignait que toute la foule. Et car il le craignait. En fait, vos gens vous détestent. Ils veulent vous faire du mal parce qu'ils ont peur. Révélation. Donc, mais, dans vos dessins, tu connais peur de vous. Hein? Je sens que c'est nouveau pour quelqu'un ici. Ah non, comment tu veux dire? Donc, ma tante qui essaie de m'envoûter depuis là, elle a peur de moi. Oui. Oui, oui. Vous connaissez la petite truc où il fait Oui. Je suis en train de lire Marc chapitre 11. Je suis au verset 18. Oui. Ils ont peur de vous. Oui. Si la fille s'y connaît seulement la moitié du pouvoir qui est en elle, on est foutu dans cette famille. Depuis que tu as 2 ans, ils ont peur de toi. Écoutez bien. Ils ont essayé d'arrêter pour que tu ne partes pas en Europe. On a essayé d'empêcher. Ça n'a pas. Dieu dit que. Je continue de lire. Marc chapitre 11, au verset 18. Car il le craignait parce que toute la foule était frappée par sa doctrine. Les paroles qui sortaient de la bouche de Jésus-Christ, c'était fort. C'était la puissance. La reine Olga, tu m'aimes. Oh, la reine Chantal, bonjour. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Merci, Antonia. Reine ou roi, je ne sais pas. Antonia Family, thank you. Merci. Bonjour, la reine Julie. La reine Sophie, bonjour. Donc, Jésus avait déjà maudit l'arbre. Quand il a maudit la conduite de ses affaires, il y a les prières que vous priez. Ça n'a pas les toucher. Dans 2 jours que tu apprends que tel oncle est mort. Continuons donc. Verset 20. Le matin, Marc chapitre 11, verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Séché jusqu'aux racines. Jésus a pris une parole, une épée. On dit une épée, non? Bonjour la reine Rizika. Et il a foudroyé l'arbre. Imaginez un figuier, c'est un arbre qui est costaud. Je suis arrivé juste là à Libreville. Je vois un arbre, on me dit que l'arbre était costaud, purée. Tu vas sentir la puissance dans l'arbre. On me dit que c'est le figuier. Je dis, oui, c'est le figuier. Je dis, ah, donc quand Jésus parle, je dis comme ça, je dis, yé, yé. Donc avec une parole, il a mis à terre la puissance ici. Et il me dit que la même puissance qu'il avait là, il y a ça dans moi. Merci la reine Sydney. Merci. Oh, vous ne connaissez pas ce qu'il y a en vous. Leur but c'était de vous faire ne pas connaître ce que vous portez en vous. Bonjour la reine Rosine. Bonjour la reine Manu, le roi Manu. Bienvenue, c'est la première fois que tu me suis en direct, c'est super. Par la grâce de Dieu, tous les matins, je ferai des vidéos pour... Parce que là, je suis sur les 3 réseaux.
TikTok, Facebook, YouTube. Je dois enseigner sur la foi. Donc ça, c'est l'école de la foi. Jésus prit encore la parole. Jésus, j'aime trop comme tu fais tes choses. Aujourd'hui, quand vous allez vouloir dire n'importe quoi, voyez votre parole comme une épée que vous prenez pour faire quelque chose avec. Donc ne parlez plus n'importe comment. Ne parlez plus au hasard. Donc, Marc chapitre 11, verset 22. Jésus prit la parole et leur dit. Qui peut me dire ce que Jésus a en train de dire là? Ceux qui suivent dans leur Bible. Écrivez ici, s'il vous plaît. J'attends, écrivez. Bonjour, bonjour. Merci pour le partage, la reine Julie Laure. Bonjour, Marceau. Si c'est la reine Marceau. Bonjour, Wellington. Hi, good morning to my English speakers. How are you doing this morning? Oh, Josiane, c'est bien ça. Tu es en train de suivre ce que je dis. Ayez la foi en Dieu. Oh, Seigneur, je demande que cette parole s'asseye dans le cœur des personnes qui m'écoutent. Je demande que ce soit comme une révélation dans leur esprit. Je demande, Seigneur, que ce soit comme des colombes qui envahissent le ciel. Merci, la reine Darlene. Merci, René. La reine ou le roi René Bikoy. Je vais vraiment m'arrêter. Je vais me poser là-bas d'abord pour qu'on regarde. Ouais, quand David faisait ses psaumes, après il disait Sila. Sila. Sila, on savait dire pose et réfléchis. Pose et médite dessus. D'accord, la reine Rosine. À tout à l'heure alors. Pause and think about it. Think about it. Où est le rapport entre la foi et toi qui viens maudire un figuier qui ne t'a même rien fait? What? Bonjour la reine Agrippine. Où est le rapport? Comment tu me dis que tu as parlé sur ma situation? Le lendemain, je suis venu avec mon témoignage. Et quand ça m'étonne, il dit, ah, reine Jocelyne, regarde, on m'a donné. Je me tourne, je dis, elle a foi en Dieu. Mariette, ne te dérange pas, je vais arriver sur ce passage. La foi est la ferme assurance. Je n'aime pas trop donner les passages bibliques. Quand j'enseigne, je n'aime pas donner les passages seulement comme ça. Je vais vous donner le contexte. Pour que quand on te donne le passage biblique, bonjour la reine Annette, Anne du Cameroun. Quand on te donne le passage biblique, que tu comprennes, c'est la compréhension de la parole qui vous donne la puissance. Ce n'est pas la citation de la parole. Ce n'est pas parce que tu as dit, oh oui, oh oui, le figuier, la parabole du figuier, je connais moi. Non. La parole que tu comprends va t'aider à combattre dans ta tête. Pardon. Ton combat, la parole vient ici, ça te... Oh, rababashi, karabasson, tarabasha. Le koshokori abashande de bosakate. Oh, Seigneur. Pour la dot, tu vas faire un bain de purification. Si tu as des sous, tu envoies l'argent, je te fais le lavage. Et puis, je te fais une offrande à l'eau. Si tu n'as pas de sous, tu fais ton bain de purification avec du sel et le sang de Jésus. Tu as compris, Obla? Mais quand tu vas faire une dot, quelque chose comme ça, fais plein de choses à côté. Pélagie chez Dieu, vous aimez trop dire montagne, ôte-toi de là. La parole n'est pas faite pour qu'on prenne rapidement. Tu prends un passage. Tu t'assois, tu regardes. Tu regardes. Tu
Hier, j'ai une de mes filles qui est venue me voir à Libreville. Ça faisait au moins un mois que je dis, je dois te voir. Mais un autre. Elle m'appelle hier, elle me dit. Et c'est après qu'elle m'a dit qu'en m'appelant, même elle était sur ses genoux, qu'elle était à genoux. Elle était désespérée. Attaque sur attaque. Vie de prière. Vie de sanctification. Elle dit que vraiment, si tu connais les choses que j'ai fait récemment, je n'arrive même pas à croire que c'est moi. Je dis, ma chérie, quand tu es attaquée, c'est comme ça que l'ennemi va faire. Il va d'abord venir jouer sur ta foi. Comment tu te vois devant Dieu. Et maintenant, au lieu de venir vers Dieu, tu vas fuir Dieu. Merci beaucoup pour le compliment, le roi Gilles. Elle vient. Tous ces magasins ont été scellés en une journée. Les impôts lui demandaient 18 millions de francs CFA. Cash. Sinon, ils ne font rien. Et quand elle vient me dire, je je panique, je ne sais pas pourquoi, j'ai la peur, j'ai quelque chose en moi, je ne sais pas. Je lui dis que ma chérie, ne te dérange pas. Ne te dérange pas. Merci la reine aimée. À quoi on a dit, ok, si vous devez aller travailler s'il vous plaît. Vous regardez la vidéo après. Elle est venue. J'ai fait deux choses sur elle. On est allé à l'eau. Comme je vous parle de l'offrande à l'eau, chaque fois vous dites que wow, wow, wow. On est allé à l'eau. J'ai parlé pour elle. J'ai pris les clés là. J'ai béni les clés. Je dis que ma chérie, quand tu rentres là, tu vas ouvrir le magasin là. Les magasins là, tu vas les ouvrir aujourd'hui. Hier, elle rentre. Comme elle quittait comme ça avec moi, elle partait aux impôts directement. 18h00, elle m'écrit. Que maman, tu peux pas, devine quoi? Je viens d'ouvrir tous mes magasins. Que les voisins étaient dépassés, que j'ai fait comment? Je suis arrivée, j'ai payé 2,5 millions. Au lieu de 18 millions qu'on demandait. Quand elle a dit ça, j'ai ri. Parce que moi, je savais déjà. Je savais. Vous devez arriver à un niveau de votre foi où vous êtes, quand vous parlez votre chose, vous êtes convaincu. Vous partez vous coucher, vous dormez. Donc Non. Okay, est-ce que tu as entendu? Est-ce que tu as... La tour de Nantes. Écoutez. Je ne suis pas dérangée. J'enseigne ma part, celui qui veut comprendre, comprend. C'est chacun qui sent dans son corps, non? C'est chacun qui sent dans son corps, non? Quand tu as tes problèmes, est-ce que ce sont mes problèmes? Hein? Vous avez vos problèmes avec vous-même. Hein? Même si j'enseigne ma chose, ça te dérange. C'est toi qui es venu dans mon direct pour parler. Non? Il m'en fout de ça. Il m'en fout de ça. Si vous saviez comment je m'en fous de ce que vous pensez. Bon, continuons. Ah, Seigneur. Que c'est bon. Continuons. Ayez foi en Dieu. Ça veut dire que l'épée que j'ai pris là, j'ai parlé avec ça. J'ai coupé telle situation. Donc, c'est aller vraiment couper. Le truc, c'est que Jésus, quand il a vu l'arbre, Jésus n'était pas étonné. C'est Pierre qui était étonné. Hein? Jésus n'était pas. Ok, Jésus, il était célébré le matin. Allez, Pierre, réveillez-vous vite. On va checker l'arbre. Non. Jésus passait lui calmement. Calmement.
Merci beaucoup, le roi Hafiz Mohamed. Oui, la reine Nora, je suis à Libreville actuellement. Je suis entre Libreville et le Cameroun. Donc, je suis à Libreville actuellement. Même ceux qui sont au Cameroun, vous allez chez moi, mes enfants sont là-bas. Donc, on s'occupe de vous comme si c'était moi. J'ai des gens en France que j'ai déjà soignés. Je ne vous ai jamais vu. Je ne suis jamais allé à Paris. Depuis là, je ne suis pas partie à Paris. Mais j'ai des témoignages qui viennent de la France tous les jours. Donc, si vous pensez que la distance physique est une barrière, bonjour la reine Rose. Donc l'épée que j'ai pris, j'ai coupé telle chose. Je veux que vous ayez, quand vous déclarez quelque chose, que ce soit plus avec le doute, genre, est-ce que ça va se passer ou pas? Check ton téléphone un peu. Ils n'ont pas encore répondu. La demande de visa que j'ai fait là. Est-ce qu'ils ont... Sydney, si vous m'attendez au Cameroun avant de venir chez moi, c'est que quand il va venir, je ne vais pas vous voir. Je vous ai déjà dit, ne me limitez pas. Je suis censé voyager. Ne me limitez pas à un endroit. Je suis censé voyager. Il y a des moments où je suis à Abidjan. Et je viens à Paris bientôt. Donc, si quelqu'un ne m'a jamais contacté, il attend qu'il vienne à Paris pour dire qu'il vient me voir là, tu seras très déçu. I'm just saying. Je vous dis ça. La page YouTube, c'est The Gift Digger Academy. Voilà. Donc, je vais vous donner mes numéros parce que je pourrais vous commencer déjà à demander. Je vais vous donner les numéros. À Libreville, le numéro, c'est le 07. 07 47 39 179. 07 47 39 179. C'est aussi un numéro Airtel Money. Oui, je sais qu'on m'attendait à Paris. Quand il est venu, je vais peut-être faire Bordeaux, Nantes. Je vais remonter sur Paris. Mais si je ne vous ai jamais, vous m'avez jamais contacté, quand il vient à Paris, ne tentez même pas, je vous dis moi en avance. Vous avez déjà, vous aimez, je vais d'abord te voir. Tu fais 6 mois, tu es bloqué, tu es dans ton blocage. Tu ne veux pas même te laver avec le sel parce que tu dis que tu veux d'abord me voir. Ce n'est pas n'importe qui me voit. C'est la réalité. Bon. Tu m'attends en Normandie. Ok. Je vous donne les numéros alors. Merci pour les partages. Ceux qui ont partagé ma vidéo, je vous remercie. Vous êtes tellement gentils. Merci aussi à mes Decepticons. Vous ne m'aimez pas, mais vous regardez mes vidéos. Ça me donne les vues. Vous avez compris. Je sais que vous me détestez, mais vous regardez mes vidéos. Je cherche les numéros. Libreville, c'est le 0747. 0747. 3979. 3979. 0747 39 179. I'm trying to see if I can help you here, but I am stuck and I need to. Ok, voilà, j'ai la page de tous les numéros. Si vous êtes au Cameroun, Yaoundé, je vous donne le numéro de Yaoundé. Merci à ceux qui ont partagé. Merci Dominique pour le partage. Merci beaucoup. Dominique de Monaco. Merci, c'est gentil. Sydney Lloyd, amen. Tu vas me voir, amen. Donc, je donne le numéro de Yaoundé. Donc, si vous êtes dans un pays, prenez quand même ce numéro-ci. Donc, si vous contactez d'autres, on ne répond pas. Vous prenez quand même ce numéro-ci. Ça, c'est les gens qui répondent toujours. OK? 00237 655 31 07 50. Donc, 237 655 31 07 50. Douala 00237 680 71 0701.
Merci pour le partage, la reine Marietta. Je te bénis. T'es très jolie. Je sais pas si c'est toi, c'est ta photo là-bas. Très jolie. La reine Marietta, contacte-moi en inbox. Tu as compris? J'ai peut-être une parole pour toi. Donc, 680-71-0701. Ça, c'est le numéro de Douala. Gabon, 0747-39-179. 0747-39-179. Le deuxième numéro de Douala, WhatsApp toujours, plus 237-693-50-22-66. La page de YouTube, c'est The Gift Digger Academy. Donc c'est en anglais, c'est un mot anglais. T-H-E-G-I-F-T. T-H-E, espace G-I-F-T. Espace D-I-G-G-E-R. The Gift Digger Academy, avec Y à la fin. Ok? T-H-E, espace G-I-F-T, espace D-I-G-G-E-R, espace Academy, avec Y. Donc, The Gift Digger Academy. Voilà. Donc, je donne le numéro de Paris. 07-53-95-56-69. 07-53-95-56-69. Bonjour, la reine Sandrine. Le numéro de Nantes. 06-20-00-63-59. 06-20. 006359. Abidjan. Ceux qui sont en Abidjan. Et aussi en Allemagne, il y a une représentante. Allemagne, plus 49 17 66 41 99 519. Plus 49 17 66 41 99 519. Abidjan. Plus 225. 08 27. 53-94. Ok, Josie, tu as trouvé. Super. Pour le lavage à distance, tu me contactes inbox, ok, sur les numéros que je viens de donner là. Tu as écrit. Et là, tu pourras envoyer l'argent. Si tu es au Cameroun, tu envoies directement sur le MTN et Orange. On va faire les lavages aujourd'hui. Donc, j'ai besoin de... Voilà les photos. Voilà, je ne vais pas monter précisément. Parce que il y a vos maris qui sont ici sur mes directs. Vous avez vos tisas qui sont ici. Donc voilà les photos. Je ne vais pas montrer précisément. Voilà, il y a les photos là, il y a les photos là. Voilà. On va faire les lavages avec ça tout à l'heure. Donc, pour le Congo, vous allez contacter le Cameroun. Ok? 650-00-237-655-310-750. Allô? Allô? Oui, ma chérie, je suis en direct. Je finis dans 30 minutes. Donc, si tu peux venir à Saint-Germain. D'accord, ok. Merci. Ok, j'ai oublié que je devais aller faire une offrande avec quelqu'un ce matin. Vous savez comment est-ce qu'on épingle les numéros sur TikTok? Parce que ça, je ne connais pas faire. Congo, vous contactez le Cameroun. On poste pas DHL. DHL pour la France, c'est 40 000 francs. Pour 2 kilos. Donc, un kit peut te coûter 40 000 francs d'envoi. Si c'est au Canada ou aux États-Unis, on est à Canada, États-Unis, on est à 60 000 francs pour 2 kilos à 2 kilos et demi. Donc, prenez les produits comme les bracelets. Il y a aussi les bracelets en fer pour les personnes qui ont les dons spirituels. Là. Il y a aussi les bâtons de commandement. Bâtons de commandement, il faut en acheter. Do not forget. Do not forget your bâtons de commandement. Bon, vous avez parlé des encensoirs l'autre jour. Donc, quand vous écrivez, vous demandez,
Il y a aussi les sels pour se laver. Le sel. Bâton de commandement très important. Very, 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 very importante. Allez voir dans Exode, là où Jésus parlait de... C'est pas Jésus, pardon. Moïse, quand il était envoyé, il a eu un bâton. Ok? Le bâton, c'est pour commander, pour enlever... parfois, tu pries pour quelqu'un, tu mets ça là-dessus. Les passages bibliques pour envoyer l'offrande. Je ne vais pas faire ça maintenant. Matthieu 7, verset 7. Tu peux faire ça, ok? Je fais, il faut que je finalise mon enseignement. Donc, j'ai donné les numéros. J'ai donné le numéro à Grébine. Si vous avez noté, c'est bien. Si vous n'avez pas noté, toutes ces personnes que j'ai donné leur numéro ont un contact direct avec moi. Donc, si vous voulez le rendez-vous, vous passez par elle pour m'avoir. Le roi Tenyo. Tu veux que tu viennes faire quoi, Badjou? Angaka. Et bon. Je voudrais qu'on revienne dans Marc 11. On regarde bien ce que Jésus est en train de faire. Donc, pardon, il a dit, ayez la foi en Dieu. Après, il dit, je vous le dis en vérité. Donc la foi, c'est quoi? Il explique ce que c'est que la foi. Et il y a les gens qui ont la foi, hein, mais ils ne savent même pas, ils ne partent pas à l'église. Hein. Donc les gens ne partent pas à l'église. Hein. Tu vas pas le voir à l'église en train de dire, il n'a même pas la Bible à la maison, même dans la voiture, il n'y a pas. Maintenant, voilà ce qu'il explique. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Jésus a dit, ayez la foi en Dieu. Il explique maintenant ce que c'est que la foi. Je sais si vous voyez un peu le contraste, ce qu'ils font dans le passage. Si quelqu'un, il n'a pas dit que c'est le chrétien, le musulman. Si quelqu'un dit, dont la foi est dans la parole, qui est une épée, on a parlé de ça tout à l'heure. Et il dit la montagne, parce que je vous ai demandé tout à l'heure d'écrire les situations que vous avez dans votre vie. Parce qu'il sait que les montagnes ne manqueront pas. Montagne financière, montagne de visa, montagne de mariage, montagne de conception. Vous êtes ensemble depuis 7 ans, vous n'avez pas d'enfant. On t'a attiré tous les noms là-bas dans la conception. Ôte-toi de là. C'est-à-dire, tu as vu la montagne, tu t'es vu comme une femme, une petite femme comme ça. Quelqu'un d'autre aurait dit, mais attends un peu. Elle se prend pour qui pour dire à la montagne que... Mais tu comprends le principe. Ce sont des principes spirituels. On ne déplace pas les situations physiquement d'abord. Tu commences avec ta parole. Et avec le courage que tu as même cru qu'une petite femme comme toi, tu peux bouger la montagne. Il dit, ôte-toi de là. C'est-à-dire, telle situation quitte de ma vie. Va rester là-bas. C'est-à-dire, je dis que je ne veux pas ça et je dis ce que je veux. Donc, il était spécifique. Étienne, j'ai laissé mon contact. 00237-680-71-0701. Notez les numéros, je vous en prie. Ne me faites pas répéter tout le temps, tout le temps, tout le temps. 680-71-0701. Et il dit, et s'il ne doute point dans son cœur, les pensées, ton cœur c'est là où tu penses, là où tu vois les situations de ta vie, là où tu visualises. Mais crois que ce qu'il dit, crois que ce qu'il dit, écrivez crois que ce qu'il dit, écrivez crois que je crois que ce que je dis arrive.
Je crois que ce que je dis arrive. Écrivez ça. J'insiste sur le mot dit. Je crois que ce que je dis arrive. Je crois que ce que je dis arrive. Je crois que, voilà, la reine Eliki, oui. Dadji, oui. Poséidon, oui. Je crois que ce que je dis. Donc, tu peux me voir, quelqu'un qui ne connaît, il n'est jamais allé à l'église. Il te dit, je vais faire ça. Je vais construire telle maison. Tu viens 6 mois plus tard, tu vas la construire. Je vais faire, tu vois. Écoutez, la foi, ce n'est pas seulement dans la Bible. C'est pour ça que vous avez la Bible, mais vous n'avez pas la foi. Parce que vous ne croyez pas la foi qui est dans la Bible. Il y a des gens qui sont venus extraire la foi de la Bible. Ils sont partis utiliser ça et ils dépassent les chrétiens. C'est pour ça qu'il vous faut la foi. Tu dois croire que ce que tu as demandé dans la prière. Hier, on a jeûné, par exemple. Bonjour, la reine Irène. Hier, on a jeûné. Tout ce que tu as demandé hier, là, est-ce que tu crois? J'ai une dame hier. C'est une de mes filles. Elle reste, elle me dit, ouais, elle paye la consultation. Elle dit que j'ai tellement de témoignages à te raconter qu'il faut qu'elle paye la consultation pour parler. J'ai dit, ok. On est au téléphone. Elle est quittée de son pays, elle est venue au Cameroun faire son travail spirituel, ça fait 3 semaines environ. Et avant qu'elle parlait, elle avait un peu peur, genre, ah, je ne sais pas trop, bon, on va voir. Mince, hier qu'elle parlait, elle dit non, maman. Elle dit, moi, mais j'ai dit que voilà ce qui s'est passé, voilà, voilà, voilà. Que voilà, regarde, j'ai fait ça, regarde, que ça, ça va marcher. Regarde l'autre si, que non, que je sais que comme j'ai dit ça là, ça va se passer. J'ai commencé à dire dans mon cœur que c'est presque prêt. Le repas est presque prêt. We're getting there. We're getting there. Oh, yes! Tant que toi, tu n'es pas convaincu dans ton cœur et dans ta bouche de ta chose, tu ne l'auras pas. Quand tu vois quelqu'un qui a la foi, c'est comme une force, c'est comme une puissance. Il dit, je vais avoir mon visa. Vous parlez, ah, tu sais, nanana. Après, il est parti déposer la demande de visa. Ah! Il a le visa. Ah! Tu vois seulement sur les photos, il a côté de la tour Eiffel. Mais ma copine, on était ici ensemble, non? Toi, tu n'avais pas la foi, ta copine avait la foi. Elle croyait. Et elle est partie, elle agit. Toi, tu es encore en train de te préparer pour demander le visa. Tu as peur que... Tu as peur que... On ne sait jamais. On refuse, on a refusé, non. Et puis quoi? C'est la fin du monde. C'est la fin du monde. On refuse, on a refusé. C'est tout. Nothing else. Rien d'autre. Tout ce que vous demanderez en priant. Et la prière, ce n'est pas seulement le chakra, babou, daraba, katana, laba, kotorobo, shika. Parce que si tu es le genre que tu fais les chanda, chanda, rakatara, kasa, tu finis, tu te lèves. Dès que tu te pointes dehors, quelqu'un te dit, ah, tu sais, je ne sais même pas, on va même pas, qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? L'argent, vraiment, le pays, c'est dur, hein. Tu viens de parler, hein. Ta foi a déclaré. Mais tu es sorti de ta place de prière. La prière, c'est un état constant qu'on a dans la journée. Je bénis vos journées, ceux qui sont en train de partir travailler. Je déclare que ce que vous avez décidé d'avoir aujourd'hui. Merci beaucoup pour les likes, Rose et Poséidon. Merci pour les likes, merci. Je déclare que tout ce que vous avez vu pendant que je parlais et que vous avez déclaré, vous allez l'obtenir cette semaine. Hier, on a eu le témoignage d'une dame. Pendant, on faisait quand on fait le jeûne tous les mercredis, à 18h, on fait la prière. Donc, on fait 6h, 12h, 18h. Donc, on a une dame, elle dit, je veux témoigner, oh, je veux témoigner, oh. Je dis que, oh, ok, parle alors.
Ah, là voilà alors, elle commence. Elle commence le toli. Vous connaissez le toli? Ceux qui ne sont pas Camerounais, là, vous allez devenir Camerounais. Je vais vous convertir. Vous allez devenir Camerounais. Elle commence, elle dit, elle me suit depuis quelques mois. Elle a pris un kit, elle a fait. Je crois qu'elle a pris deux kits. Et dans le pays, elle est aux États-Unis. Elle a réussi à avoir ses papiers de travail, mais son mari n'avait pas encore de permis de travail. Working permit. N'avait pas encore. Ce qui fait que c'était chaud. Et c'est que quand tu es comme ça à la maison, tu travailles, l'homme ne travaille pas, les problèmes que ça va mettre à la maison, les choses comme ça. Elle dit que maman, quand on a fait les déclarations, parce que le 28 juin, 28, 29 et 30 juin, on a fait un jeûne sec. On n'a pas mangé, on n'a pas bu pendant 72 heures. C'est comme ça qu'il y a eu des témoignages. Elle dit que pendant ce jeûne-là, elle a donc écrit, elle a dit que ce mois de juillet, elle faisait mettre que juillet, mon mari va voir ça, mon mari, oh, juillet. Elle dit donc que hier, on a commencé le jeûne le matin. Donc, à leur fuseau horaire, c'était la nuit chez eux. Et elle a encore remis le titre de séjour de son mari qu'elle voulait. Elle rentre du boulot. Elle prend le mail, là, les lettres. Elle ouvre. Elle voit. Permis de travail de son mari. Elle dit que, voilà, elle parlait de la dîme aussi. Elle dit que ceux qui m'écoutent et qui étaient dans la prière, la séance de prière, vous vous rappelez la dame. Elle dit, en passant, le groupe de prière est gratuit si vous voulez rentrer dans le groupe. Donc vous entrez dans le groupe de prière. On a méditation. Le groupe de méditation, c'est tous les vendredis à 21h. La méditation est payante. Mais la prière, on jeûne une fois par semaine. La prière est gratuite. On prie ensemble gratuitement. Mais la méditation qu'on fait tous les vendredis, c'est payant. Et aussi les gens pour le business. Pour ceux qui veulent faire le business, méditation c'est 15 000 le mois, ou 25 euros, ou 25 dollars. Et la prière, le gros de business c'est 15 euros, 15 dollars, ou 10 000 francs CFA. Voilà. Donc, elle dit qu'au début du mois de juin, de juillet, en payant sa dîme, elle dit qu'elle n'avait jamais payé la dîme de toute sa vie. Elle dit qu'elle a dit donc, Seigneur, je te mets au défi. Je te teste. Comme tu as dit dans Malachie chapitre 3, versets 10, 11 et 12. J'apporte à la maison du trésor ma dîme et je te teste. Ce mois de juillet, mon mari doit avoir le permis de travail. Donc hier, c'était le 20, environ 20 jours plus tard, elle a reçu sa réponse. Et la dame aussi, l'une de mes autres filles qui a payé la consultation pour me donner ses témoignages, elle me disait donc qu'elle a regardé ses... Parce que c'est depuis avril qu'elle me suit en ligne. On s'est déjà vu plusieurs fois. Quand je me suis déplacée, je suis allée dans son pays. On s'est rencontrés physiquement. Et elle avait beaucoup peur le temps-là. Elle était très attaquée. Elle avait souvent des palpitations, des choses comme ça. Elle dit que maintenant, quand elle reste censée prendre son bâton de commandement. Elle prie à la maison. Elle parle. Même son mari. Son mari se lave avec le sel maintenant jusqu'à... Il la dépasse même. C'est son mari dont c'est le premier. Il est le premier le matin à faire son lavage au sel. Pour le groupe de prière, écrivez à l'une de ces personnes les numéros que j'ai donnés. Si vous n'avez pas noté, tant mieux pour vous. Donc, c'est vraiment le gratuit que vous aimez là. Quand vous donnez les contacts pour ceux qui veulent contacter, vous n'avez pas pris. Voilà, tant mieux pour vous. Ok. Elle dit donc que tout ce qu'elle avait écrit sur ses sujets de prière depuis avril, elle a regardé. Et elle a déjà obtenu 5. Elle voulait faire sa nationalité depuis. Elle avait fait deux fois, elle a échoué. Deux ou trois fois. Et la première fois que je la rencontre, elle revenait de la composition. Je l'ai lavée, mais elle a échoué. Puisqu'elle avait à composer. Elle est restée trois, quatre semaines après. Elle a encore relancé. Et cette fois-ci, quand elle lance, elle était armée. Les gens qui disent que la parole qui était avec ça... Vous lisez la parole, vous ne comprenez pas. Le tout, c'est là, elle était amée. La poule, les sacrifices, les prières, les jeûnes, tout, elle avait fait. Elle arrive le jour où elle veut composer. Tous les appareils du centre se grillent.
Quand c'est elle qui prend. Tout le monde passe. Quand ils ont tout, les machines se grillent. Et ça m'a dit que, quand elle a honte de moi, j'appelle. Ça m'a dit qu'ils ont menti. Toutes les machines se grillent. Ils contactent le pays où elle est en train de prendre la nationalité. Là, on demande. C'est de là-bas qu'ils ont pas envoyé. Même comme ça ne marchait toujours pas. Finalement, on a seulement pris l'ancien test du mois d'avant. On lui a donné que fais le test ici parce que vraiment, on ne comprend pas. 4 jours plus tard, on lui envoie l'email. Madame, vous avez finalement passé le test de naturalisation. Elle m'a dit qu'ils sont petits. Vos démons là, ils sont petits. Je veux que votre foi augmente le genre que tu restes comme ça. Oh, Rababa, Shikanda, Rabakasa. Tu tapes même le parler en langue comme ça pendant 30 minutes. Shakaria Mashuta, Rababosha. Le Kotorobo, Shikanda, Katarabakasa. Tu sors de là comme le bulldozer. Tu écrases tout sur ton chemin. Donc, pour ceux qui veulent aller au groupe de prière, je vais vous donner les numéros à nouveau. Prenez de quoi noter. 00-237-680-71-0701 237-680-71-0701 Deuxième numéro camerounais, ça c'est pour Yaoundé. 00-237-655-310-0750 Gabon, 0-247-47-39-179 0-747-39-179. Tous ces numéros ont Airtel Money, Orange Money, MTN Money. Paris, 06-20-00-63-59. 06-20-00-63-59. Toutes ces personnes peuvent prendre des consultations avec moi. Je ne suis pas au Cameroun. Les gens qui m'attendent au Cameroun, tout ce que je fais, ça se fait à distance. La Côte d'Ivoire, c'est le 225-08-27-53-94. 225-08-27-53-94. Le numéro de Paris, j'ai donné Nantes déjà. Le numéro de Paris, 0753-95-56-69. 0753-95-56-69. 0753-95-56-69. Si vous voulez les lavages, vous envoyez vos photos chez eux, vous payez chez eux, et puis ils vont faire le reste. Si vous voulez rejoindre le groupe de méditation, vous payez chez eux, ils vous mettent dans le groupe. On a formation spirituelle aussi, pour ceux qui ont les dons spirituels. La formation commence le 1er août. Vous payez chez eux, et ils vont vous mettre dans le groupe. Voilà. Pour le Maroc, il n'y a pas. Le Maroc, vous contactez le Cameroun. On va vous envoyer ça par DHL. Right. On a terminé pour aujourd'hui. La séance d'aujourd'hui est terminée. Donc, je veux que vous allez relire les passages. Si vous venez d'arriver, allez écouter à nouveau cette vidéo. Je veux ouvrir votre esprit sur la parole. Je veux ouvrir votre esprit sur la puissance qui se trouve en vous. Donc, mettez-moi des pouces comme ça pour les vidéos. Merci pour les pouces, 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 merci pour les pouces. Donc, on a les produits à vendre aussi. La formation spirituelle, je vous ai annoncé l'autre jour que la formation spirituelle, vous allez me dire d'abord pourquoi vous voulez faire cette formation. Et ça n'arrive jamais dans mes formations. Parce que vous savez que mes formations, c'est toujours 500 euros, 400 000, 500 000. J'ai même des formations à 3 000 euros. Cette fois-ci, le Seigneur m'a dit, vous devez me envoyer le message à la personne, le numéro de la représentante. Vous dites, pourquoi vous voulez participer à la formation? Et puis, je vais vous parler personnellement. Et je vais vous mettre dans la formation. Maintenant, vous allez voir le montant qu'ils vont vous demander de donner. J'ai des personnes qui ont déjà payé leur place dans la formation. Ils sont en train d'envoyer les sous. Maintenant, si vous envoyez 10 euros, et je vous assure que je ne pense pas qu'ils vont vous laisser dans le groupe. OK? Parce que je crois que vous connaissez, si tu es spirituel, tu connais que les choses spirituelles, ce qui vaut de l'or pour toi, ce qui coûte pour toi, tu sors quand même de l'argent.
Le parfum homme riche, ça coûte 10 000 francs. Il y a aussi le parfum Donne-moi tout qui coûte 10 000 francs. Je n'ai pas les parfums sur ma table. Il y a l'huile de prospérité. Il y a aussi l'huile pour les affaires. Ça s'appelle l'huile de prospérité. Donc, quand vous commandez les choses, vous demandez ça. Donc, il y aura une séance d'offrande collective à la mer. Donc, c'est 20 000 francs. Ça va se passer dimanche. Donc, vous enverrez vos 20 000, vous n'enverrez rien d'autre. Tout le matériel, je vais acheter ici. C'est-à-dire le whisky, le vin, tout ça là, tout ce qu'on essaie. Vous mettez vos intentions. Vous envoyez votre nom complet. C'est 20 000 francs par personne. Minimum. Si Dieu vous met à cœur de donner plus. Hein. Voilà. OK? Donc, en Europe, les produits qui sont arrivés en Europe coûtent. On doit ajouter le transport dessus. Donc, si tu prends un parfum en Europe, tu vas sûrement l'avoir à 30 euros ou 35. Au lieu de 15 euros du Cameroun. Vous avez d'autres questions? Forever young, I wanna be forever young. Do you really wanna live forever? Forever, forever young. Pour le bain de déblocage depuis la Côte d'Ivoire, tu contactes la dame, elle s'appelle la Reine Germaine. Tu lui écris, tu envoies ta photo et tu envoies 40 000 francs. La Côte d'Ivoire, c'est 40 000, le Gabon, c'est 40 000, Cameroun, c'est 33 800. Toute ma chance s'enlève. Donc arrêtez de croire que j'ai déjà prié, j'ai déjà jeûné, tout. Oh, toute malchance, ça s'enlève. OK? Et pour le bain de sel, lavez-vous au sel tous les jours. C'est la base. Maintenant, après ça, tu ajoutes maintenant le kit attraction, le kit déblocage, le kit déblocage plus, qui est l'un kit de désenvoûtement. Il y a aussi le thé. On a du thé spirituel. Pour vous faites le thé carrément, le thé de désenvoûtement là. Vous avez des maris, vos maris sont manipulés par des femmes. Vous prenez votre thé là, vous le donnez ça chaque jour. Si vous n'avez pas l'argent que je demande pour faire mon travail spirituel, ce que vous faites, achetez le sel qui coûte 50 francs à la boutique. Mettez dans l'eau, commencez à vous laver avec. Et faites les prières que je donne ici. Si vous ne pouvez pas déjà faire l'autre là, c'est que vraiment, je suis désolée, je ne peux pas. Et moi, je vous dis cash, je ne fais pas mon travail spirituel gratuitement. À moins que l'esprit ne me demande de faire gratuitement pour quelqu'un. Donc, vous venez avec les pleurs. Hey, je ne suis pas dedans. Lève-toi et suis tes larmes. Prends le sel de 50. Si tu as pris le sel de 50, quitte sur ma vidéo. Prends la Bible, tu lis. Tu lis. Tu lis. Psaume 35, psaume 91. Tu mets le sel dans l'eau. Ton pipi est gratuit. Pisse dans le verre. Tu verses ça dans l'eau. 5 litres d'eau ou 3 litres d'eau. Tu mets le sel sur ça, tu lis le psaume 35. Si tu ne peux pas faire ça, tu quittes, tu mets ma page, tu te désabonnes. Tu as compris, non? Vous aimez toujours, oh, sauve-moi, aide-moi. Vous aimez que quelqu'un d'autre ait votre pouvoir. Aide-moi, sauve-moi, mignonne-moi, maman-moi. Arrêtez ça. Votre pouvoir n'est pas dans la main de quelqu'un. Même si c'était là-bas que c'est vous qui avez donné, reprenez, vous mettez dans votre poche. L'huile de prospérité, je veux les deux sels, ma reine. Ok, Nora, tu es dans quelle ville? Il faut que tu prennes les numéros, tu écris, s'il te plaît. Tu as compris, Nora? Je te demanderais bien de donner ton numéro ici, mais bon, c'est TikTok, je ne sais pas trop. Si tu veux écrire ton numéro, tu écris. Je vais demander qu'on te contacte. Il y en a parmi vous, si vous avez, vous pouvez mettre vos numéros. Je vais envoyer ça au. Je vais envoyer ça à mes secrétaires là. Ils vont vous contacter. Lui, le bain pour le travail, tu fais pareil, non? Tu mets le sel dans l'eau, tu te laves avec. Et si tu envoies ta photo pour que je fasse ton lavage moi-même, tu dis que j'ai besoin de travail. Si tu n'as pas la somme là pour l'offrande, tu laisses. Tu as rempli ma épiphanie. Pars toi-même, prends toi-même, achète les bonbons, tu peux donner aux enfants. OK.
241. Il ne faut pas que ça parte. Bon, Libreville. 066 37 27 68. 066 37 27 68. Ok, ça on a pris. Quand vous écrivez, vous dites que vous avez besoin d'aide là, je ne sais pas si vous comprenez juste pas. J'ai déjà dit tout ce qu'il faut faire, j'ai donné les numéros. Quand vous contactez, dites ce que vous voulez. Si vous n'avez pas d'argent, il y a les vidéos. Regardez les vidéos, vous faites ce que je dis dans la vidéo. Ouais. Le lavage à distance, au Cameroun, c'est 33 800. Si vous êtes en Europe, c'est 50 euros. Bon, je pense que c'est tout. Le bain de travail, c'est pareil. 33 800. Merci la reine Rosina, je reçois ta bénédiction. Comme tu as commencé à faire ce, avec ce qu'il y a dans ta cuisine là, c'est super. J'ai des vidéos avec la cannelle, le nain de muscade, tout ça. Les sous, ça dépend du pays où vous vous trouvez. Vous pouvez faire le Western Union, vous pouvez faire le RIA, vous pouvez faire PayPal. Donc vous êtes dans quel pays? Ou bien Momo ou Orange Money? Moi j'aime l'argent, je suis businesswoman. Ne croyez pas que le matériel dont j'ai besoin pour travailler là, je pars au marché, on me donne. Pour la France, tu vas envoyer ça par RIA. RIA c'est mieux. Tu envoies ça par RIA et tu fais le. À ce nom. Ah, oui, je fais aussi les consultations. Mais lave-toi au sel d'abord. Donc, le nom pour faire les envois RIA ou Western Union, nom de famille, A-B-E-S-S-O-L-O, A-B-E-S-S-O-L-O, A-B-S-O-L-O. Et le prénom, c'est Charles, avec S, Bronson. Charles, donc C-H-A-R-L-E-S, espace, B-R-O-N-S-O-N. C'est mon américain avec lequel je travaille. Donc la ville c'est Douala et le numéro de téléphone c'est le 00237 680 71 0701. Quand vous faites l'envoi, vous devez faire une capture d'écran, vous envoyez au numéro de téléphone pour dire que voilà j'ai fait l'envoi. Et vous envoyez votre photo avec votre nom. Ceux qui me cherchent sur TikTok là, je suis sur YouTube au nom de The Gift Digger Academy. Sur The Gift Digger Academy, je ne sais pas comment commenter sur TikTok, vraiment. TikTok, c'est là. Ok. Le nom, c'est The Gift Digger Academy. The Gift Digger, je suis en train d'écrire ça. Voilà. Voilà le nom sur Facebook. The Gift Digger Academy, Facebook et YouTube. J'ai plein d'enseignements là-bas. Plein. Les bains, les offrandes, les sacrifices. S'il faut sacrifier le bœuf, s'il faut sacrifier le bouc, lavage, tous les lavages, là, il y a tout ça et là-bas. Même l'utilisation des kits. Voilà. Je vous bénis, je bénis aussi votre travail spirituel que vous allez faire aujourd'hui. Que cet enseignement sur la foi vous fortifie. Que votre foi augmente. La foi vient par l'écoute de la parole. Que cette parole que vous avez écoutée augmente votre foi. Je restaure vos dons spirituels. Ok? Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, on va se parler demain. Demain matin, je vais faire... je continue l'enseignement sur la foi, l'école de la foi. Voilà, Elikia, tu es parti regarder les vidéos.
Waymaker, miracle worker, promise keeper, Lord in the darkness, my God, that is who you are. Suzanne Lemmy, tu dis que tu aimes quand je gronde. C'est vous qui faites. Je me fâche souvent aussi, Baba. Moi, je dis, je fais partie des mamans qui châtient bien parce qu'elles aiment. Parce qu'on vous a cajolé, on vous a caressé. C'était l'hypocrisie. C'est comme ça que tu te retrouves dans le trou. Tu es dans le trou. On t'a rien appris. Tu es dans le trou. Tout ça est rectifiable. Aujourd'hui. Donc le numéro de téléphone, c'est le 00237 680 71 07 01. 00237 680 71 07 01. Quand on est gentil avec vous, vous n'entendez pas, vous ne comprenez pas. Moi, avec moi, soit ça passe, soit ça casse, soit tu m'aimes, soit tu me détestes totalement. Soit tu m'aimes, soit tu me dis waouh. Soit tu me dis oh, tu pars une fois. Voilà, c'est ça qu'il veut. Il ne faut pas venir, tu es tiède. Peut-être, peut-être pas, peut-être, peut-être. Maybe, maybe not. Je ne veux pas. Je ne veux pas les maybe, maybe not. Non. Même Jésus ne voulait pas les gens tièdes. Il va te recracher. Donc, il y a le groupe de prière. Consultation 00237 680 71 0701. Je vous fortifie, les chefs d'entreprise, là, je vous fortifie. Ok? Bonne journée à vous, hein. You are here, moving in this place. I worship you, I worship you. Facebook, vous êtes les derniers à rester. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. That is who you are. Tu connais pas ta...